Une naïve ovation pour Edgar Morin, humaniste planétaire. Toute ovation se forme d'évocation. Elles seront ici récits d'itinérance d'un caminante méditatif et convivial dans un immense parc se formant à l'image des entrelacs végétaux que Léonard peignit sur le plafond de la Sala d'Eleas et du château de Milan. Récits qui suscitèrent des lectures sans frontières, invitant au questionnement, provoquant écriture par livres et causeries. Traces d'errances insolites dans ce paysage en relief, végétal autant que minéral, tout en nuances de couleurs et de lumières, autant que de formes évoluant au fil des saisons où tout semble s'entrelacer en une interminable ronde aux mille danseurs, s'attirant et se repoussant en une même volte au rythme de quelques fantaisies. Se forme ainsi la passion du Caminante. Pleurer, aimer, rire et comprendre. Comprendre qu'ainsi se régénère la connaissance, entrelaçant sans cesse les connaissances, se reformant par les jeux des liens qui les tissent et qu'elles tissent. Émergent alors d'autres points de vue, suggérant d'autres itinérances, déployant les pistes aimées par ces tensions ancestrales entre ordre et désordre, reliance et déliance, sapience et démence, lumières et ombres, moments poétiques proches des prosaïques, amour et haine aussi. Images d'itinérance éclairant la formation de la connaissance humaine, activant en retour de prégnantes évocations toujours au vif du sujet. Souvenirs d'hier s'entrelaçant à ceux qui se forment aujourd'hui, tout en s'enracinant dans les traces de celles que se formait alors le Caminante et s'attachant déjà à développer par ses exercices d'autocritique. Même si rien n'est caché, nul ne sait tout voir. Puisqu'on ne peut tout voir d'un seul point de vue, on peut s'attacher à vouloir mieux voir de plusieurs points de vue en cessant de tout découper et sans prétendre à l'exhaustivité définitive. Le possible reprend pied devant le nécessaire, dès lors que la conscience critique réexplore la légitimité des arguments en situation. La pratique de recherche de méta-points de vue suscita l'élaboration d'une sorte de polyprojecteur conçu en s'aidant des multiples harmonisations des trois sensibilités que présenta un ouvrage au titre ineffable. Amour, poésie, sagesse. N'est-elle pas aussi celle de la raison, à la fois ouvrante et autocritique? Celle que chaque itinérance, sinuant et flânant dans les innombrables bosquets du parc, invite à déployer puis à argumenter en se ressourçant à quelques moments de l'aventure de la méthode. Nous sommes sur la scène du Théâtre des 13 Vents, à Gramont, près de Montpellier. Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le plus jeune, intellectuellement parlant, des penseurs français, qui a accepté de se prêter au jeu de la série Face cachée, dont il est le premier invité. Bonjour Edgar Morin, merci Bonjour. D'être là avec nous. Bonjour. Notre entretien va se décomposer en deux parties. Dans une première partie, nous nous intéresserons à votre parcours au sein du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Nous parlerons également de vie, de biologie. Nous parlerons également de mort, puisqu'il s'agit aujourd'hui de votre interview testamentaire. Et dans une seconde partie, nous aborderons vos engagements actuels, ainsi que l'héritage que vous souhaitez transmettre aux générations futures, y compris de jeunes chercheurs. Est-ce que ça vous va comme programme, Monsieur Morin ? Très bien. Le CNRS voit le jour en 1939, dans un monde qui vient de basculer dans l'abîme, puisque 6 semaines plus tôt, l'Allemagne nazie a envahi la Pologne. Vous avez 19 ans au moment de la défaite. Même si vous avez été politisé relativement jeune, vous êtes à ce moment-là plutôt un pacifiste. Mais vous faites le choix d'entrer en résistance. N'avez-vous pas eu peur de mourir pour la patrie ? Un des problèmes qui se posait à mon esprit était que je voulais vivre, je n'avais pas vécu, je quittais à peine l'adolescence, et en même temps, je me rendais compte que vivre intensément, c'était risquer ma vie, parce que je pouvais tout au plus survivre, c'est-à-dire me planquer, ne rien faire.
Et j'ai compris la différence entre survivre et vivre. Et donc, j'ai surmonté cette peur, qui était évidemment très grande. C'était du reste un ami étudiant trotskiste, à l'époque où je me tâtais, je voulais. Et je lui demandais, je lui dis, mais enfin, est-ce que d'autres ne peuvent pas risquer leur vie, puis soit se mettre de côté? Et il m'a répondu, le courage est une affaire d'organisation. Et j'ai vérifié qu'une fois surmontées toutes les premières peurs, on est amené à faire tout naturellement des actes qui sont très dangereux, mais qui font partie de la vie. Donc, si vous voulez, c'était ça qui était important. Et aussi, un besoin de participer. Vous savez, c'était fin 41, début 42, c'est le moment où la guerre devient mondiale. Jusqu'à présent, c'est une guerre uniquement européenne. Et brusquement, l'Amérique entre en guerre avec le Japon, la guerre devient mondiale. Et je me dis, les jeunes de tous les pays donnent leur vie, et moi, je vais rester comme un pleutre dans mon coin, c'est pas possible. Et je crois aussi qu'il y a le romantisme de la jeunesse, puisque ce qui m'a vraiment exalté, j'écoutais à la radio, j'aime beaucoup la musique, l'ouverture du vaisseau fantôme de Wagner, et cette musique, cet appel comme ça à l'aventure, c'est un peu comme ce que dit Chateaubriand, « Levez-vous, orage désiré ». J'ai eu un mot. Allez, j'ai dit, c'est fini. Allez, on part. Voilà. Vous avez eu bien raison. On vous remercie pour cela. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente pour vous le poème de Rimbaud, Une saison en enfer? Vous savez, il y a toute une part où il me parle dans les profondeurs de mon être sans que je puisse exactement formuler en mots la profondeur de l'émotion que je ressens. Ce saison en enfer, c'est aussi bien, c'est un poème d'adolescent, Rimbaud est adolescent, en proie aux tourments, aux doutes, aux inquiétudes, aux angoisses, qu'il dit de façon magnifique. Et à un moment donné, il dit, à la fin, il y a un appel. Il dit, il faut être absolument moderne. Et il y a cette phrase qui m'a toujours transporté. Et armé d'une ardente patience, nous entrerons dans les splendides villes. Il y a une sorte de cet appel aussi qui m'a beaucoup. Et ça me nourrissait pendant l'époque où je faisais de la résistance étudiante. Il faut être absolument moderne. Point de cantique. Tenir le pas gagné. Dure nuit, le sang séché fume sur ma face et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Donc vous étiez entouré de vos amis, oui. Dans une forme de communion, d'exaltation. Voilà. Ça. Alors vous entrez au CNRS en 1951. Oui. Au même moment, vous publiez l'un de vos ouvrages les plus significatifs, L'homme et la mort, que vous avez mis 2 ans à écrire, alors que vous étiez au chômage, un peu désœuvré tout de même dans ces années qui ont suivi la guerre. Est-ce que l'on peut dire que vous étiez en état de mort sociale à ce moment-là? J'étais en état de mort politique, en tout cas, car, disons, j'avais eu la rupture intérieure avec le communisme dès 48-49, jusqu'à l'expulsion de 51. Donc j'étais un cadavre politique. J'étais, du point de vue social, un SDF social, c'est-à-dire que c'était mon épouse qui allait comme professeur en province, professeur de philo, gagner le pain pour nos enfants qui venaient de naître. Donc, si vous voulez, j'étais devenu
un déchet social. Je me souviens très bien avoir rencontré dans la rue un ami de la résistance assez connu dont je tairai le nom. Quand je lui ai dit « je suis chômeur », il a eu un visage extrêmement gêné. D'ailleurs, très peu de gens étaient chômeurs à l'époque. Mais en réalité, donc après avoir fait différents métiers journalistiques, que j'étais devenu chômeur, je dois dire que ce n'a pas été une période de désœuvrement. Ma vie a été pleinement remplie par ces deux années à la Bibliothèque nationale, où je me suis nourri des lectures les plus diverses, vu que mon sujet le commandait. J'ai éprouvé une jouissance d'être dans cette bibliothèque, de sortir pour casser la croûte à midi ou fumer une cigarette que je fumais à l'époque. Bref, si vous voulez. Et j'étais dans l'exaltation des découvertes, parce que je découvrais d'abord les psychanalyses, je découvrais la biologie, je découvrais beaucoup de choses. Bref, c'était une époque très intense intérieurement. Donc, si vous voulez, j'étais très content que ce livre coïncide avec mon entrée au CNRS. Donc là, vous avez abordé la question de la combinaison des disciplines. Vous parliez de psychanalyse, d'anthropologie. Et ce qui est tout à fait étrange, c'est que vous n'aviez pas de légitimité particulière dans aucun de ces domaines. Non, qu'est-ce qui vous a amené à oser transgresser les barrières disciplinaires sans complexe, serait-on tenté de dire ? Tout d'abord, je dois dire que j'avais une culture dans le domaine littéraire et plus largement des humanités très large, et que j'avais acquis pendant mes années d'étudiant une culture sociologique, philosophique, un peu économique puisque j'ai suivi les cours de droit. Enfin, j'avais déjà une culture très riche et très variée qui m'a servi. Et quand j'ai voulu interroger mon problème, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les attitudes humaines devant la mort, j'étais amené à chercher, bien entendu, dans les religions qui offrent une vie après la mort, j'étais obligé de chercher dans la préhistoire, puisque dès la préhistoire, les morts dans les tombes sont accompagnés de nourriture et de armes, donc il y a une vie après la mort. J'étais obligé de chercher un peu partout, dans toutes les sciences, évidemment la biologie aussi, parce qu'à l'époque, il y avait des conceptions sur la mort et la possibilité des cellules de se renouveler. Bref, c'était un voyage à travers le savoir, je dirais, à travers toutes les disciplines. Et je ne pouvais que transgresser les frontières, puisque c'était mon sujet qui exigeait cela. Et d'autre part, j'étais amené à organiser cette masse énorme de connaissances. J'avais pris 1000 notes, j'essayais de les classer, tout ça. Et j'étais amené à concevoir des paradoxes que ma formation, si vous voulez, avec la dialectique de Hegel m'aidait, c'est-à-dire de comprendre des choses contradictoires. C'est-à-dire, comment se fait-il que dans toutes les civilisations, les êtres humains ont horreur de la mort, et que dans toutes les civilisations, il y en a qui sont prêts à donner leur vie pour leur famille, leur religion, leur parti, tout ce que vous voulez. Bon. Donc, ce paradoxe que j'ai essayé de donner une explication, comment se fait-il que bien que, dès la préhistoire, les êtres humains ont le conscience de la mort dans leur vivant, parce qu'ils vont mourir leurs proches, etc. Et ils ont conscience que la mort, c'est la décomposition du cadavre, ça, c'est pas une chose qu'ils ignorent, qu'ils ont appris. Bien qu'ils sachent que la mort, c'est une décomposition, comment fait-il qu'ils ont pu surmonter cette connaissance pour penser qu'on peut quand même vivre sous forme de fantôme, de spectre après la mort. C'était aussi ces paradoxes qui étaient intéressants. Donc pendant 2 années, vous fréquentez les bibliothèques. Vous parlez souvent dans vos écrits de la nuit obscure de l'âme de Saint Jean de la Croix. Est-ce qu'on peut assimiler cette période à cette traversée de la nuit obscure ? N'y a-t-il pas de rapport ?
Oui, on peut, mais c'est une idée qu'a exprimée magnifiquement Jean Delacroix, et c'est-à-dire cette relation entre l'obscurité et la lumière. Il y a un moment donné de cette obscurité que toute lumière vient. Et de même chez Jean Delacroix, il y a l'idée que plus on augmente dans le savoir, moins on sait. Et ce sont deux vérités profondes, puisque moi j'ai employé la métaphore de la connaissance, c'est comme une allumette qu'on allume, qui va éclairer une partie proche de soi, mais qui va montrer l'ombre tout autour, et que ce qui est évident, ça a été dit depuis très longtemps, plus on connaît qu'on ignore, plus l'ignorance s'accroît. Et Jean Kelevitch dit qu'il y a deux ignorances, l'ignorance qu'il appelle hantée, c'est-à-dire celle de l'enfant qui ne sait pas qu'il est ignorant, et ou du type grossier qui ne sait pas son ignorance, et l'ignorance post, c'est celui qui sait, et plus il sait qu'en même temps il ignore. Et ce lien entre la lumière et l'obscurité, entre l'ignorance et la connaissance, qui m'a toujours frappé, et jusqu'à un de mes derniers livres qui s'appelle « Connaissance, ignorance, mystère », ça me semble crucial. Et là encore, c'est une chose que ne peuvent pas comprendre les esprits binaires qui disjoignent absolument la lumière, l'ombre, la connaissance, l'ignorance, sans savoir le lien étroit qui les transforme l'une et l'autre, l'une par l'autre. Alors, on a vu avec L'homme et la mort que vous étiez dans une démarche très tôt de pluridisciplinarité. Alors, transdisciplinarité. Transdisciplinarité, soyons précis. Donc à la fin des années 60, vous êtes invité à passer une année au Salk Institute of Biological Sciences à San Diego, en Californie. Et donc c'est un institut prestigieux qui, comme son nom l'indique, développe des recherches en biologie. À ce moment-là, l'effervescence est de mise, puisque la structure en double hélice de l'ADN a été découverte par Watson et Crick en 1956. Ma question est la suivante. Là encore, alors que vos recherches concernent plutôt les humanités, les sciences humaines, comment se fait-il que vous ayez été invité dans un institut de biologie? Et qu'êtes-vous allé faire là-bas? Oui. Alors, bon, j'ai été invité dans un institut de biologie parce que l'intention, à cette époque, aussi bien pour le fondateur, directeur Jonas Salk, ses fellows proches comme Jacques Monod, pensaient qu'il fallait quelqu'un des sciences humaines pour éclairer les problèmes humains et sociaux que posent les sciences biologiques. Donc je n'allais pas en tant que... J'étais en tant que beaucoup plus comme étudiant pour essayer de voir tout ça. Et d'autre part, ce que j'avais été frappé, c'était par une phrase de Marx dans ses manuscrits philosophiques d'œuvre de jeunesse qui disait « Les sciences humaines embrasseront les sciences de la nature et les sciences de la nature embrasseront les sciences humaines. » Et là aussi, c'est une formule paradoxale mais illuminante pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les sciences de la nature embrasse. Dès Darwin, ça a commencé, c'est-à-dire on sait qu'on est le fruit d'une évolution biologique et que tout en étant métabiologique, on est profondément des animaux et des êtres biologiques. Bien que ce soit nié aujourd'hui, c'est évident. Et je dirais, et les sciences humaines enveloppant les sciences de la nature, c'est-à-dire que tout ce que nous savons biologiquement, ou que, astrophysiquement, nous le savons à travers l'histoire humaine, l'histoire de la connaissance humaine. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que ce sont des choses en soi, c'est-à-dire c'est enveloppé par les concepts humains. Donc, si vous voulez, cette idée-là... et puis, j'avais déjà fréquenté des groupes où il y avait des biologistes, des cybernéticiens, etc.,
J'étais ami de Jacques Monod, dont j'avais lu donc le manuscrit de Le hasard des nécessités. Je vais rebondir sur Jacques Monod. Son nom est souvent associé à François Jacob. Oui. Et François Jacob, pour ce chercheur, la démarche scientifique consiste à confronter sans cesse ce qui pourrait être et ce qui est. Là, je vais vous demander de vous remettre dans vos souvenirs et d'essayer de nous raconter ce qui est sans doute votre première expérience scientifique lorsque vous aviez 5 ans. Est-ce que vous voyez de quoi je veux vous parler? Quand j'avais 5 ans. 5 ans. C'est ce qu'on lit dans vos biographies. Vous avez surveillé qu'un certain être prodigieux déposerait ou non des cadeaux au pied d'un sapin. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre première expérience scientifique? Écoutez, c'en est une. C'est, en tout cas, c'est pré-scientifique. Je veux dire, c'est d'une connaissance laïcisée. Parce que, évidemment, puisque mes parents m'avaient dit que pendant la nuit, le Père Noël viendrait déposer des cadeaux dans mes souliers qui se trouvaient à la cheminée, moi, je me suis forcé, dans mon petit lit d'enfant, à rester réveillé. Et j'ai fait un grand effort, et au petit matin, rentrant de réveillon, j'ai vu que mes parents, sur la pointe des pieds, mettaient les cadeaux dans les souliers. Et j'ai conclu que le Père Noël n'existe pas. C'est ma première expérience, je dirais presque laïque, qui a chassé une croyance surnaturelle. Vite, est-il d'autres vies? Le sommeil dans la richesse est impossible. La richesse a toujours été bien publique. L'amour divin seul octroie les clés de la science. Je vois que la nature n'est qu'un spectacle de bonté. Adieu, chimère, idéal, erreur. Votre ouvrage principal, majeur, c'est La méthode, oui. Un bloc de 1872 pages, 6 volumes, écrit entre 1977 et 2004. Vous bénéficiez d'une grande reconnaissance en Amérique latine, en Asie également, en Espagne, au Portugal. Vous avez été médaillé, multiprimé. Mais en même temps, vous dites avoir été très longtemps marginalisé au CNRS, ou marginal. Comment expliquez-vous la réception tardive de votre œuvre en France? Nul n'est prophète en son pays. Pour deux raisons. D'abord, c'est que dans le monde de l'université et de l'enseignement, c'est le règne de la souveraineté disciplinaire et qu'on pense que tout ce qui existe en dehors des disciplines n'est que pur bavardage, etc. Donc, si vous voulez, manque de crédibilité, bien que je puisse le savoir dans les disciplines, ben, ça semble bizarre et louche. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que plus largement, les structures mentales formées par l'éducation sont des structures qui lient la connaissance à quelque chose qui sépare les objets de connaissance, les uns les autres, et la tendance réductrice, c'est-à-dire de connaître un tout à partir des éléments qui le constituent. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai fait apparaît comme hérétique et bizarre par rapport aux normes classiques qui continuent. Alors, c'est sûr que même quand j'ai fait des études sociologiques, la façon que j'avais d'envisager les problèmes, c'était en dehors des normes méthodologiques dominantes. Donc, j'étais un peu déviant, mais fort heureusement, comme les contrôles des chercheurs étaient très superficiels, j'ai pu, tout en faisant partie de la section sociologie, extravaguer dans des domaines autres, que ce soit la psychologie, l'histoire, qui est une science qui m'a beaucoup formé, et bien entendu la méthode qui se situe à niveau d'épistémologie. Donc on m'a laissé libre, et dans le fond, et c'est pour ça que je remercie dans la méthode le CNRS, sinon je n'aurais pas pu faire une telle œuvre, mais j'ai été toléré. Sauf
quand il y a eu un directeur qui s'appelait François Kouriski en 1990, qui lui s'est intéressé à ma pensée de français, à ma façon de penser, et à ce moment-là, il avait une vision très, très positive de moi. J'ai eu cette chance au cours de ces années, et ainsi qu'il y a eu la période où à l'UNESCO, Federico Maior, qui est un biologiste d'ailleurs, était le directeur, et à ce moment-là, m'a aidé dans mon travail. Donc vous remerciez le CNRS pour l'autonomie que ce centre a pu vous accorder, et ce qui vous a permis de transgresser justement ces frontières disciplinaires. Voilà, je le remercie pour la liberté qu'il m'a donnée. La liberté. Avoir un salaire régulier pour un travail irrégulier, c'est-à-dire qui peut être absolument intense pendant des mois et puis s'arrêter pendant... Ça, c'était la chose, un privilège dont j'ai joui. On va s'intéresser un instant au deuxième volume de la méthode qui s'intitule « La vie de la vie » que vous avez terminé d'écrire quand vous étiez en Toscane, en Italie, sur les beaux paysages non loin de Florence. Alors pour vous, qu'est-ce qui fait la particularité du vivant par rapport au reste du monde physico-chimique ? Ce qui fait l'originalité du vivant est la complexité spécifique de son organisation que j'ai désignée comme une auto-éco-organisation. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'auto-organisation, il était déjà l'objet de réflexion de beaucoup de cybernéticiens, épistémologues, mais dans le monde confiné des mathématiciens, si vous voulez, déjà dans les années 40-50. Mais moi, avec Henri Atlan, qui était un précurseur biologiste, j'ai voulu dire que c'était la chose clé, et d'autant plus intéressante que les idées d'écosystème étaient connues de moi et commençaient à se développer dans les années 60, et que pour comprendre la façon dont la vie s'organisait à travers compétition, solidarité, prédation, association, enfin tout ça, se former une organisation spontanée à partir de toutes ces interactions et interactions avec le milieu physique, avec les météorologies, avec tout ensemble. Donc, si vous voulez, j'avais en main les possibilités de relier ce qui était dispersé dans la... Alors, pour revenir à cette chose intéressante, c'est que la définition de la vie, comme disait François Jacob, la vie n'existe pas dans le laboratoire. C'est vrai, il n'y a que des molécules qui interagissent. Effectivement, parce que qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie, c'est l'ensemble des qualités qui émergent de la complexité de l'auto-organisation vivante. La vie, c'est la possibilité de s'auto-réparer, de se reproduire, de connaître, il y a la possibilité cognitive, éventuellement de se mouvoir, mais pas nécessairement, puisque les végétaux ne remarquent pas. Donc, si vous voulez, la vie, ce sont les qualités qui naissent d'une organisation totalement physico-chimique, mais qui échappe, par sa richesse multimoléculaire, à la simple aux qualités des molécules ou macromolécules qui le constituent. Et pensez-vous que les sociétés humaines puissent être considérées comme vivantes ? Oui. Et justement, moi je pense que le concept de vie doit être absolument amplifié. D'abord, une société, et c'est une entité qui s'auto-organise à partir des interactions entre les individus, qui crée des institutions avec des émergences, avec des qualités propres, qualités qui rétroagissent sur les individus comme la culture et comme le langage, exactement comme les qualités de la vie rétroagissent sur les constitutions. La société est un être vivant constitué d'êtres vivants, comme nous-mêmes, nous sommes constitués aussi de bactéries, etc. Je dirais que le langage vit, il a une vie propre. Il se développe, il s'enrichit, il perd des mots, il en prend d'autres, etc. Autrement dit, le concept de vie peut être amplifié, mais, mais il n'a pas tous les caractères de la biologique qu'a l'être vivant. Il est évident qu'une
société est constituée d'individus humains, certes, ceux-ci sont faits de cellules, mais finalement, le rôle de l'esprit humain, donc, c'est-à-dire du cerveau, est capital pour la société, pour les interactions, etc. Donc voilà, je pense que la vie est une chose très riche qui ne se réduit pas à la biologie. Dans votre définition de la vie, par rapport à celle des sciences biologiques qui ont tendance à séparer les objets d'études, donc à considérer le vivant comme une multiplicité d'objets, avec des gènes, des cellules, des tissus, des organismes, des communautés, pour votre part, vous avez introduit la notion de sujet au cœur de l'individualité oui. biologique. Est-ce que ce n'est pas finalement un pied de nez à Descartes et à son réductionnisme ? Est-ce que la méthode, ce n'est pas finalement un contrepoint au discours de la méthode cartésien, une sorte de pied de nez à Descartes ? Dans un sens, oui. Et dans un sens, c'est considéré que c'est Pascal qui est pour moi le maître de la méthode, puisqu'il y a une phrase que je cite très souvent qui dit que toute chose étant liées les unes aux autres, toutes choses étant causées, causantes, aidées, aidantes, je tiens pour impossible de connaître le tout si je ne connais pas les parties, ni les parties si je ne connais pas le tout. C'est une dialectique permanente entre la connaissance de tous les éléments. C'est évident, c'est ça l'idée clé que moi j'inscrirais au fronton de toutes les universités ou de toutes les écoles. Bon, alors dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est métacartésien, parce que je pense que dans Descartes, il y a l'idée du sujet que moi j'ai élargi. C'est-à-dire que lui, le sujet, c'est uniquement l'être humain qui est l'esprit conscient, c'est-à-dire c'est le cogito. Je pense, donc je suis. Et moi j'ai insisté sur l'idée suis. C'est-à-dire, c'est pas je pense, donc je suis un être vivant, non. Donc je suis, c'est-à-dire je suis en tant que je, en tant que moi, je. Qui m'affirme. Alors, je suis parti de cette idée que j'ai découvert pour la vie en cours de rédaction de mon livre. Je me dis, mais l'être vivant, il a une façon de s'auto-affirmer dans le monde où il est de façon égocentrique, se nourrir, se défendre, etc. Mais j'ai vu que dans l'idée de sujet, il n'y a pas seulement l'affirmation égocentrique du moi, il y a aussi l'aspiration profonde à la relation communautaire avec autrui. Parce que l'enfant, dès qu'il naît, il a besoin de la caresse, de l'amour, du baiser, de tout ça, et que nous avons besoin de l'autre. Donc, si vous voulez, c'est deux choses comme deux logiciels complémentaires et antagoniques. Le besoin de se fondre dans la communauté à la limite où on perd l'individualité et le besoin d'affirmer l'individualité absolument où on perd la communauté. Mais pour revenir à la bactérie, on a découvert quand même que les bactéries sont très altruistes entre elles, qu'elles se refilent un brin d'ADN pour aider l'autre, peut-être pour lutter contre les antibiotiques, et que les bactéries forment un univers d'interconnexion, que là aussi, il y a ces deux caractères du sujet. C'est ça qui est intéressant. Et alors, il y a aussi cette chose par rapport à... qui m'a beaucoup frappé, pas déjà dans ce livre, mais par la suite. Qu'est-ce qui m'a frappé ? C'est que, bon, dès l'origine de la vie, hein, il n'y a pas seulement cette organisation très complexe qui est venu peut-être de la réunion par hasard des éléments. Il y a le fait que dès l'origine, il y a cette capacité incroyable d'auto-reproduction, c'est-à-dire que l'ADN se divise en deux et que chaque demi-ADN réussit à reconstituer un tout, c'est-à-dire se reproduction en sœur, mère à la fois. Bon. Donc, ça veut dire quoi ? C'est une qualité incroyable, beaucoup plus incroyable que la naissance de la vie, à mon avis. Et ça veut dire aussi que dès le début, le problème est de résister à la mort. Et que dès le début, je ne dis pas le mot conscience, il y a quelque chose dans cet être qui a quand même une qualité, une intelligence organisatrice, il y a l'idée que pour lutter contre la mort, il faut se reproduire.
quitte à perdre l'individualité, mais il faut se reproduire. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Ça a été repris à part Bichat, que la vie est une lutte permanente contre la mort. Chaque battement de mon cœur, chaque respiration de mes poumons est une résistance à la mort. Est-ce qu'on ne retrouve pas, dans votre manière de décrire les phénomènes, votre obsession pour le double ? Dans la duplicité, oui. La multiplication, ces brins d'ADN qui se séparent, est-ce qu'on ne retrouve pas une sorte de théma holtonien obsessionnel qui vous caractérise, qui est celui du double ? Écoutez, il est vrai que quand j'ai découvert, en faisant mon livre sur la mort, que le double est non seulement ce qui survit à la mort, mais il est présent dans la vie. Il se révèle à vous dans le miroir, dans le reflet, dans l'ombre, dans les rêves où il se libère. C'est-à-dire, déjà, chacun d'entre nous, quand il est surpris devant un miroir, est étonné. C'est lui et c'est un autre en même temps. « Je est un autre », comme disait Rimbaud. Donc, l'idée de l'importance du double dans les mythologies humaines, et qui réapparaît avec le spiritisme contemporain, etc. Donc, ça m'a beaucoup fécondé pour comprendre le cinéma, bien entendu, qui sont des dédoublements. Mais il est certain que j'ai vu qu'il y a quelque chose d'originaire dans cette idée de dédoublement dans le monde des êtres vivants les plus primitifs qui tous se reproduisent. Voilà. Et c'est ça qui reste un mystère et un objet d'interrogation pour moi. On reviendra sur les rapports entre la vie et la mort. J'ai juste une question rapide sur... Vous avez dit tout à l'heure que vous avez été exclu du Parti communiste. En tant qu'intellectuel de gauche, est-ce que vous étiez réceptif aux thèses de Lysenko, non. Proche de Staline? Ou est-ce que vous pensez que c'était une collusion politique? Écoutez, a priori, j'aurais pu être convaincu par ça. Mais comme je savais que, y compris les grands biologistes français communistes, comme Marcel Prenant, etc., ne croyaient pas aux thèses de Lysenko, donc je n'y croyais pas. Mais toutefois, je dois dire que il m'a toujours semblé insuffisant la conception orthodoxe de l'évolution darwinienne et post-darwinienne, fondée sur le fait que l'acquis ne peut pas être introduit dans le patrimoine héréditaire. Or, ça m'a toujours semblé bizarre que ce soit toujours le pur hasard qui fasse naître les ailes des insectes, des papillons ou des oiseaux, tout ça. Ça m'a toujours semblé bizarre que c'est par hasard qu'a apparu le cerveau, l'estomac, etc. Mais... et donc, je doutais beaucoup sur la vérité absolue de cette thèse. Et tout ce qui est apparu ensuite pour la limiter, comme encore tout récemment l'idée qu'il y a des acquis qui peuvent se transmettre, la découverte que certains acquis peuvent se transmettre génétiquement, et que peut-être il y a des transmissions qui ne se font pas génétiquement, mais d'une autre façon inconnue. Donc, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, en dépit de la résistance énorme, disons, des habitudes du monde biologiste, on ne pourra que s'orienter vers un Lamarcko-darwinisme. Alors, on entend souvent dans votre sémantique le terme d'inconnu, le terme mystère, inconnu. Vous êtes sensible à la cause des peuples premiers, enfin, des peuples indigènes d'Amazonie que vous considérez comme sacré, vous êtes également intéressé, fasciné par le chamanisme. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre rapport avec ces autres médecines, ces autres réalités ? Les autres médecines Le chamanisme. Le chamanisme, oui. Là aussi, c'est à partir d'une fascination, c'est une réflexion plus récente, c'est-à-dire qui est partie des grottes préhistoriques. Ces grottes préhistoriques sont des représentations merveilleusement réalistes d'animaux, mais elles sont faites dans des boyaux obscurs, hein, c'est-à-dire
même si on est éclairé par des flambeaux ou des choses comme ça, les animaux ne sont pas présents devant les yeux. Donc l'artiste qui a fait ça de tête, n'est-ce pas ? Donc ça révèle une capacité mimétique extraordinaire que certains peintres ont quand ils font un croquis. Donc, si vous voulez, je me suis dit, à la polémique qui consiste à dire est-ce que ce sont des chamans ou est-ce que ce sont des artistes, je dis, ils sont l'un parce qu'ils sont l'autre. Bon, et que donc le chamanisme donne des capacités dans ces états de transe, encore très mystérieuses, mais je peux considérer que tout créateur artistique vit dans un état d'une transe plus ou moins douce, que parfois il se fait aider par du café comme Balzac, par de la cocaïne comme Malraux, enfin, ce que tu veux. Bon. Et donc, ou parfois par la simple exaltation de soi, que moi-même j'ai vécu quand j'étais travaillé dans l'enthousiasme, dans les premiers volumes de la méthode, comme ça, j'ai un état d'exaltation. Et je pense donc, si vous voulez, que les chamans ont été les premiers éducateurs de l'humanité. Et je me fonde sur deux éléments. Le premier, c'est qu'une étude anthropobiologique sur les Indiens Pueblos du Mexique a remarqué que ces Indiens de différents villages ne font jamais cuire le maïs dans l'oslo. Ils ajoutent un additif du calcaire, l'écorce des arbres, enfin des tas de choses, très différents selon le visage. On croyait que c'était des superstitions jusqu'à ce que l'anthropobiologiste ait montré que toutes ces substances rendaient assimilable par l'organisme la lysine, qui est l'élément nutritif du maïs. Et donc je me suis dit, il n'y a que des chamans qui ont pu, par des facultés télépathiques, qu'on peut tendance à ne pas croire, mais inculquer ça. De même, je dis, ces Indiens d'Amazonie dont vous venez de parler, comment se fait-il que dans une telle prolifération de plantes, d'animaux tellement divers, ils ont pu sélectionner ceux qui sont nutritifs, ceux qui sont curatifs et ceux qui sont néfastes. Voilà. Donc dans L'Homme et la mort, vous spéculiez sur le fait que la biologie, en tant que science, allait apporter des outils pour vaincre la mort. Et dans des éditions ultérieures de L'Homme et la mort, vous êtes un petit peu revenu sur vos dires en qualifiant votre position d'illusion scientiste. Alors, Edgar Morin, on a envie de vous demander, où en êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que la science, la biologie, va arriver à nous démortaliser ? Alors, tout d'abord, c'est vrai que je prévoyais non pas l'immortalité, mais ce que j'appelais la mortalité, c'est-à-dire que la science ferait qu'il n'y aurait plus cette mort inévitable à un certain âge, entre 60 et 80 ans, et que dans le fond, on pourrait reculer indéfiniment, non pas infiniment, mais indéfiniment, la mort. Et après, quand j'étais à l'Institut Salk de biologie, aussi bien Leslie Orgel que d'autres lectures, m'ont indiqué que tout ça, c'était purement utopique, que effectivement, aussi bien le phénomène quantique faisait que des bugs de plus en plus se produiraient dans le circuit entre ADN, ARN, protéines, et que dans le fond, on pouvait que finalement succomber au deuxième principe de la thermodynamique. Donc j'ai revisé dans mes éditions ultérieures, tout en gardant comme document la conclusion de ma première édition. Et puis j'ai rencontré Amelsen, le biologiste, Jean-Claude Amelsen, qui m'a dit « Mais vous aviez raison dans votre première édition, c'est ça qui arrive. » Alors, j'ai refait encore une préface, mais dans le fond, mon point de vue actuel, c'est non pas encore, c'est de réfuter l'immortalité, étant donné que d'abord, non seulement on ne liquidera pas les virus et les bactéries, mais que ceux-ci sont très malins et vont réussir à se débrouiller, voilà. Mais que la civilisation étant de plus en plus technique, on ne sera pas à merci des accidents comme des explosions d'avions gros porteurs ou de choses. Enfin, voilà.
et que de toute façon, la terre, le soleil étaient condamnés à mort. Enfin, la mort était l'horizon général. Et dans ce cadre-là, j'ai constaté effectivement qu'en principe, à partir des cellules souches, quand elles pourront être efficacement utilisées, pour le moment, il n'y a pas question, à partir des prothèses d'organes, comme il y a déjà le cœur artificiel, les poumons artificiels, à partir de l'aide informatique ou d'intelligence artificielle, que toute une série de processus permettront de prolonger la vie humaine en bonne santé, la vieillesse, disons, en état tout à fait correct, progressivement. Ça, j'ai vu la possibilité. Mais en même temps, j'ai vu que cette possibilité va créer une nouvelle scission dans l'espèce humaine qui est où déjà les inégalités se creusent, car bénéficieront pendant plusieurs générations de cette prolongation de la vie les puissants et les riches, et que le reste de l'humanité sera voué à la misère et à la famine, et que dans le fond, il se créera une surhumanité hyper-égoïste d'un côté qui bénéficiera de tous les avantages des progrès continus, et de l'autre, effectivement, le désastre genre Mad Max. Donc, finalement, je ne peux qu'exprimer une inquiétude par rapport à tout ça, en disant aujourd'hui le plus urgent, ce n'est pas augmenter les pouvoirs de l'homme, ce n'est pas nous augmenter nous-mêmes, c'est nous améliorer, c'est de transformer le quantitatif en qualitatif, c'est d'être plus moraux, plus humains, plus compréhensifs, plus relationnels. C'est ça le problème. Il y a une énorme progrès technoscientifique et une régression éthique épouvantable. C'est ça le gros problème aujourd'hui pour moi. Et la science. La science. On a tout repris. Pour le corps et pour l'âme, le viatique. On a la médecine et la philosophie, les remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangées, et les divertissements des princes et les jeux qu'ils interdisaient, géographie, cosmographie, mécanique, chimie, la science, la nouvelle noblesse, le progrès. Le monde marche, pourquoi ne tournerait-il pas? C'est la vision des nombres. Nous allons à l'esprit. C'est très certain, cet oracle, ce que je dis. Je comprends et, ne sachant m'expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire. Alors, je vous propose de poursuivre avec cette notion de mort. Donc, si la mort ne vous a pas vraiment épargné pour ce qui est de la perte des êtres chers, des êtres qui vous ont été chers, en revanche, on peut dire de vous que vous êtes un multimiraculé. Et jusqu'à maintenant, la mort vous a frôlé de nombreuses fois, sans toutefois arriver à vous emporter. Et je vous propose de passer en revue quelques-uns de ces rendez-vous manqués avec la mort. Est-ce que vous êtes d'accord? L'histoire commence sans doute à votre naissance, puisque vous apprenez de votre père, lors de votre 54e anniversaire, votre père Vidal Naoum vous apprend que votre venue au monde avait mis en péril la vie de votre propre mère, et vous en êtes sorti. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode de votre naissance? Bien, oui, c'est-à-dire que, en plus, je suis né étouffé par le cordon ombilical et sortant par le siège, et que je suis mort-né, si vous voulez, parce que le gynécologue, me tenant par les pieds, m'a giflé au moins pendant une demi-heure avant que je pousse mon premier cri. Alors donc, j'ai une expérience de la mort, mais malheureusement, je n'ai aucun souvenir. Ce que je crois peut-être, c'est que c'est ma première résistance, puisque ma pauvre maman, elle a dû absorber des substances toxiques pour éliminer le petit polichinelle que j'étais, et que finalement, il a résisté, mais le pauvre... Vous voulez dire qu'elle avait essayé de se faire avorter? Ah oui, oui. Vous avez résisté? Oui, voilà. Oui, c'est la première. Et il faut dire aussi que l'année qui a suivi la mort de ma mère, qui m'a... absolument, qui est l'événement de ma vie, si vous voulez, le plus affreux. J'ai attrapé une maladie bizarre qu'aucun médecin n'a réussi à diagnostiquer. À la fin, ils ont dit fièvre aphteuse,
qui, vous savez, est une fièvre réservée aux ruminants, aux vaches. Ce que vous n'êtes pas. Et d'ailleurs, quand je suis rentré en retard à l'école, et alors le surveillant général m'a dit, mais t'as été malade, mon petit? J'ai dit, oui, monsieur, j'ai eu la fièvre afteuse. J'ai dit, ah, te fous pas de ma gueule. Alors, vous avez parlé des circonstances du décès de votre maman, Luna. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fêlure originelle à partir de laquelle votre personnalité s'est construite? Il y a ça, la mort de ma mère, incontestablement. Incontestablement parce que je veux dire que la mort, d'abord le fait, si vous voulez, que mon père, ma famille ne m'a donné aucune culture, aucune croyance, etc. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été ravagé par le doute sur tout, une sorte d'nihilisme. Et d'un autre côté, j'avais un besoin de ferveur, de foi et d'amour. Et que toute ma façon d'être a été commandée par la coopération antagoniste entre le doute, le niant et la foi, la recherche de la foi et de l'amour. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême, vieille comme le monde et la fatalité, qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême, et qu'à ce triste prix, tout doit être acheté. Les moissons, pour mûrir, ont besoin de rosée, pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin des pleurs. La joie a pour symbole une plante brisée, humide encore de pluie et couverte de fleurs. Pendant la guerre, vous avez échappé par trois fois, oui, à la mort. Oui. Vous avez échappé à Lyon d'abord, du côté du jardin du musée. Est-ce que vous vous souvenez de ces épisodes-là? Est-ce que vous, oui, pouvez nous les raconter? C'est assez étonnant parce que mon chef, André, avait prévu un rendez-vous avec moi au square du musée avec un responsable de la résistance qui avait le contact radio avec Londres, qui s'appelait Henriot. Et avant ce rendez-vous, on était au bistrot, place Bellecour à Lyon, et avec mon ami Joseph Recanati, qui était un condisciple que j'avais recruté dans le mouvement. Et au dernier moment, le chef dit, « Ah, Joseph va venir avec moi, toi, me désignant, tu verras Henriot plus tard. » Bon, j'ai dit, « D'accord, mais alors, donnez-moi un peu tous les papiers compromettants si jamais vous arrivez quelque chose. » Et ils sont allés au jardin du musée où il y avait une souritière de la Gestapo. Et là-dessus, ils ont été arrêtés, torturés, déportés, mais ils n'ont pas trouvé. Enfin, ils ont vu qu'il y avait des officiers au rendez-vous. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, qui avais sous mon lit la valise du mouvement, avec tout son trésor, les faux tampons, les faux papiers, quelques armes, de l'argent, enfin, tu vois, je me suis rappelé, après cette arrestation, que mon ami Joseph, il avait écrit en clair, avant que je l'ai recruté dans la résistance, mon adresse. Donc j'ai dû aller avec ma compagne à cette adresse et pour pouvoir retirer la valise. Et heureusement, le lendemain, la Gestapo arrivait. Donc là, on a deux fois vous réchappez à la mort. Il y a également un autre épisode sur Paris, cette fois-ci, où vous allez retrouver à son hôtel l'un de vos adjoints, oui, un Allemand anti-nazi, oui, Jean Cazatz, oui, c'est ça. Et vous ne savez pas que la Gestapo l'a arrêté et vous attend dans sa chambre. Oui. Et là, que se passe-t-il? Alors, c'est très curieux parce que j'avais donné rendez-vous avec lui au cimetière Vaugirard dans la matinée. Il n'est pas venu. Je ne m'étais pas tellement inquiété. Et donc, je dis, je vais passer à son hôtel, voir. Alors, je passe à l'hôtel Toulier, rue Toulier, près de la Sorbonne, et je vois que la clé de sa chambre n'est pas là. Donc, je dis, il est dans sa chambre. Je ne regarde même pas la réceptionniste. J'étais avec Violette. Et je dis à Violette, attends-moi, je vais voir Jean. Il habitait au deuxième étage.
Et une fois que je suis arrivé au premier étage, c'est très curieux, c'était le printemps, il faisait beau, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'avais toute la force de monter au deuxième. Au premier étage, une sorte de langueur, de paresse me prend, je m'arrête, oh, mais sans aucune inquiétude, oh, je me dis bon, oh ben je le verrai plus tard. Je redescends l'escalier, je laisse un petit mot, mon cher Jean, rendez-vous aux telles galeries de la Sorbonne, hein, et puis je m'en vais avec Violette, et c'est après que j'apprends que non seulement la Gestapo avait mis une souricière, mais qu'une copine qui s'appelait Gabi Wood s'est fait arrêter, et la du reste était déportée, et quant à lui, le pauvre, il est arrivé une histoire tragique, parce que il avait une fausse identité avec un nom flamand, n'est-ce pas ? Mais sous la torture affreuse, à un moment donné, il a répondu en allemand à ses bourreaux. Et quand ils ont vu qu'il était allemand, paf, ils l'ont liquidé. Donc ce que vous voulez dire, c'est que l'allemand anti-nazi s'est trahi lui-même en parlant allemand aux nazis, finalement. Eh oui, au bout d'un certain temps de torture, eh oui. Les morts dorment en paix dans le sein de la terre. Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Sur leurs restes sacrés, ne portons pas les mains. Alors, vous l'expliquez comment ce hasard, finalement, qui n'en est peut-être pas un. Vous montez un escalier, vous êtes saisi d'une torpeur. Oui. Vous avez un côté très rationnel qu'on peut voir dans vos écrits. D'un autre côté, vous avez aussi une tendance que vous assumez au mystique. Ben, vous vous positionnez comment par rapport à ce jour-là ? Mais vous savez, d'abord, là c'est beaucoup plus, je ne peux pas expliquer. Ma compagne me dit, ma compagne actuelle me dit, mais écoute, c'est l'esprit de ta maman qui t'a protégé. Ça me plaît, mais j'y crois pas tout à fait. Je ne sais pas. Était-ce une... de la télépathie. Tout ce que je peux dire, c'était peut-être de la télépathie. Peut-être. Il y a quelque chose qui a joué. Alors, quant à mon mysticisme, c'est un mysticisme de la vie. Ce n'est pas un mysticisme pour un dieu comme Thérèse d'Avila ou même Saint Jean de la Croix que j'adore. Non, c'est un mysticisme. La musique me met dans un état mystique. Les belles œuvres d'art que j'aime, un beau visage me met dans un état mystique, l'amour me met dans un état mystique. Même, si vous voulez, je sors de chez moi maintenant, Montpellier, dans cette rue piétonne, ce soleil, je suis dans un état presque mystique. Non, c'est un état de, un peu de, une forme particulière de ces transes dont j'ai parlé. Oui, et je vis profondément ce mysticisme, mais un peu comme Georges Bataille, qui était un écrivain athée, mais qui avait un sentiment tout à fait mystique de l'amour, de l'érotisme, de tout ça. De la consommation. La consommation, voilà. Alors, en août 45, on est après-guerre, la France et les Alliés viennent de gagner. Vous êtes tranquillement à bord d'une voiture, vous êtes passager. On vous amène en direction de Francfort, et là, soudainement, vous vous réveillez d'un coup d'un seul et vous criez « Stop !» Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode aussi ? Oui, là encore, j'étais au gouvernement militaire de la zone française. Et avec mon ami André Mandouze, qui avait été un grand résistant de témoignage chrétien, on faisait un petit journal pour les troupes d'occupation, et on décide le soir d'aller en zone américaine, parce que là-bas on trouve des bonnes cigarettes, du whisky, enfin des bonnes conserves, tout ça. Et on part en voiture avec le chauffeur militaire, et c'est vrai que on s'égare dans la nuit dans Mannheim, de tout ça. Et puis on continue. Et ce qui se passe, c'est qu'on dormait tous, on somnolait, sauf le chauffeur. Et à un moment donné, j'entrouvre les yeux et je dis stop. Et effectivement, c'était un viaduc qui passait sur un profond ravin.
Et après, j'ai appris qu'une Jeep américaine est tombée, parce que les panneaux de sauvegarde avaient dû être enlevés par des petits saboteurs, et c'était l'autre partie d'autoroute qu'il fallait prendre. Donc, j'ai été très, très frappé de cette sorte de télépathie aussi que j'ai ressentie. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on a repris la route, on rôdait encore au petit matin, et là-dessus, le chauffeur s'est endormi, la voiture a baldingué de l'autre côté de l'autoroute, et elle s'est fracassée sur un arbre, enfin du moins là. Donc vous avez eu un accident au retour. Oui. Vous avez échappé une première fois, mais vous avez eu un accident, mais qui n'a pas été mortel cette fois-ci. Non, non. Non. Alors, notre partenaire Radio Campus a enregistré des questions d'enfants. Vous avez une question du petit Ilham, 6 ans, qui note qu'avant la mort, il y a la vieillesse, donc le ralentissement de la machine à vivre. Et le petit Ilham vous demande... À partir de quand on se sent vieux? Vous savez, de date, je n'en donnerai pas parce que je ne peux pas dire tel jour j'ai commencé à être vieux. Tout ça, c'est un processus. Pour moi, c'est une fatigue intérieure. Et ça me fait penser, mon père, quand il avait dépassé 80 ans, il me disait, il est fatigué ton papa. Et moi je le voyais pareil, le visage bien, paraissant, alerte, ça. Je ne comprenais pas cette fatigue intérieure. Et moi, je ne peux pas dire à quel âge ça a commencé, est-ce que c'est 90 ans, je ne sais pas. Enfin, dans les 80, dans la décennie, enfin, j'ai commencé à ressentir cette fatigue intérieure. Et une fatigabilité beaucoup plus grande qu'avant. Et pour moi, c'est ça le sentiment, sans compter que je ne marche pas d'une façon aussi alerte que je marchais. Mais dans beaucoup de secteurs, notamment cérébraux, je ne me sens pas vieux du tout. Et je sens que, si vous voulez, que j'ai conservé mes aspirations adolescentes, mais comme je le dis souvent, en perdant toutes mes illusions, j'ai gardé un minimum de sens de responsabilité d'adulte et j'ai gardé un plaisir infantile au jeu et à la plaisanterie, à tout ça. Donc, si vous voulez, la vieillesse, elle m'arrive de l'intérieur. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'enfant que vous avez été ou à celui qui demeure peut-être toujours en vous ? Ben écoute, tu m'accompagnes, tu continues à m'accompagner et j'aimerais te garder jusqu'à la fin. Est-ce que vous pensez en avoir terminé avec votre développement personnel ? Est-ce que vous en êtes au stade du récit de vous-même ? Ou est-ce que vous continuez à apprendre des choses, à vivre dans l'enseignement perpétuel ? Oui. Pas aussi intensément que je l'étais, mais je continuais à être un peu étudiant. Par exemple, tout ce qui concerne le devenir du monde, avec les ambiguïtés de la mondialisation, les catastrophes éventuelles, le transhumanisme, enfin... la nécessité d'une conscience planétaire. Enfin, je me sens, si vous voulez, très lié au monde. Je dirais même, d'une certaine façon, plus qu'avant. Parce que, pour moi, bon, j'ai toujours été universaliste, j'ai toujours pensé que dès les débuts de la mondialisation, que on devait prendre conscience d'une communauté de destin humain, quelle que soit l'appartenance des gens,
J'ai les idées d'égalité, de droit des hommes, des femmes, bref, si vous voulez, tout ça, c'est déjà depuis longtemps. La chose de plus en plus importante dans les dernières années, c'est que je me dis en plus, je suis une petite particule éphémère dans une aventure incroyable qui est l'aventure humaine, toujours inattendue, toujours imprévisible, et qui elle-même est la suite de l'aventure de la vie, qui elle-même est fait partie de l'aventure du cosmos. Je sens que je suis un élément insignifiant dans cette aventure, et ça fait que j'ai un sentiment non pas de solitude, mais de lien, si vous voulez, avec l'univers, avec la vie et avec l'humanité. Ça me reste très fort. Dans l'avant-propos de L'homme et la mort, vous écriviez que l'homme n'a pas vu que le mystère premier était non pas la mort, mais son attitude devant la mort. Alors Edgar Morin, quelle est votre attitude à l'égard de la mort ? Eh bien, vous savez, c'est une attitude qui s'est un peu, qui se modifie. Bon, tout d'abord, si vous voulez, dès que j'ai dépassé les 80 ans, j'ai pensé qu'elle pouvait survenir comme ça. Mais ça ne m'empêchait pas de faire des projets. J'ai fait beaucoup de projets. Donc je vivais dans la continuité, tout en passant que ça peut être interrompu brusquement. Et puis, dans un sens, j'avais moins peur de la mort que jeune, puisque j'avais vécu, mais je n'étais pas quelqu'un qui me dit « ça y est, j'ai vécu, tout est fini », puisque je continue à vivre. Donc, si vous voulez, de temps en temps, le sentiment de la mort m'arrivait comme une sorte de sentiment de vide. Je me vidais de moi-même, très angoissant. Et puis ça disparaissait, parce que pourquoi ? Parce que je continuais à participer aux choses, à m'intéresser aux choses, à aimer, etc., etc. Et alors il m'est arrivé en plus une chose très bizarre. C'est que, alors qu'à 90 ans, ben, je me disais, ça y est, c'est proche, c'est tout proche. À force que les années ont continué, 91, 92, là, maintenant presque 98, il est arrivé cette chose bizarre, je me dis, mais je me suis habitué à vivre. Je vais être beaucoup plus étonné de mourir maintenant que je l'étais quand j'avais 80-90 ans. On vous comprend. C'est une bonne manière de voir les choses. Alors Edgar Morin, on en a presque terminé avec la partie sur la mort. Qu'est-ce que ce serait pour vous une belle fin ? Ah ben écoutez, si je pouvais trouver à dire quelques mots qui seraient intéressants, mais les mots de la fin, je crois qu'ils ont déjà été trouvés par beaucoup de mourants. Alors, non, écoutez là, c'est-à-dire, je n'ai pas tellement pensé à belle fin, mais tout en étant à demi superstitieux, quand j'avais peut-être 60 et quelques années, une amie à moi qui était une cartomancienne célèbre qui s'appelait Yagel Didier, qui était la cartomancienne du président de la République, par amitié, elle m'a fait un horoscope, enfin un horoscope non, mais elle a fait une carte, en me demandant de noter ce qu'elle disait, etc. Et ce qu'elle me disait, elle, c'est que je tomberais comme ça d'un seul coup. Pam, comme ça. Et je me suis habitué à cette idée. Alors, par contre, l'idée jolie, c'est d'être mourir doucement dans son lit, entouré des gens qu'on aime, de mes filles, de ma femme. Vous savez, des amis, malheureusement, la plupart... Des amis les plus chers ont disparu.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime tellement cette chanson de Pauvre rude veuve, ouais, que chante Léo Ferré, que sont mes amis devenus, que j'ai tant aimé. Donc, oui, la belle mort, c'est un peu entourer des proches et de s'éteindre doucement. Mais là, on a une autre question d'enfant. Je ne crois pas que j'en bénéficierai, j'en sais rien. On a une autre question d'enfant qui est... Est-ce qu'on s'habitue à voir des gens mourir ? Pas tellement. Pas tellement. C'est-à-dire que la seule chose qui m'apparaît aujourd'hui irrévocable, évidemment, c'est la mort de ma mère, alors que pendant longtemps, je pensais qu'elle aurait pu revenir. Mais je crois que mes amis chers restent, du fait qu'ils restent très vivants dans mon souvenir, très présents, je ne peux pas me dire que je suis habitué à leur mort. Bien sûr, je la subis, mais ils ne sont pas sombres, ils n'ont pas sombré dans la dissolution, si vous voulez. J'ai l'impression que mon cerveau n'est pas un cimetière, mais au contraire, il ressemble un peu à ce que les anciens Grecs appelaient les enfers, vous savez, où les morts vivaient d'une vie diminuée. Vous savez, c'est dans l'Odyssée, c'est Ulysse qui a la chance de visiter les enfers, qui n'ont pas, c'est pas du tout l'enfer chrétien ou musulman, non. C'est un lieu où on mène une vie diminuée. Et Achille lui dit, tu vois, il vaut mieux être un petit cordonnier vivant que le grand Achille dans les enfers. Lorsqu'au déclin du jour, assis sur la bruyère avec un vieil ami, tu bois en liberté, dis-moi, d'aussi bon cœur lèverais-tu ton verre si tu n'avais senti le prix de la gaieté ? Edgar Morin, bien que vous ayez beaucoup écrit, y compris sur vous-même, vous avez, comme nous tous, une part d'indicible. Et comme nous tous, vous vous dirigez vers l'indicible. Ce que l'on ne peut pas dire avec des mots, on peut peut-être le représenter sous la forme d'un symbole, d'un croquis, d'un dessin. Je vais vous tendre, si vous l'acceptez, une toile que vous avez devant vous et des feutres fluorescents. Accepteriez-vous de nous livrer sous la forme d'un dessin, une pensée, une formule, un fait, une histoire que vous n'avez encore jamais révélée de votre vie, sans les mots, uniquement par le symbole ? Que je n'ai jamais révélé de ma vie. Alors évidemment, nous ne saurons pas la signification de votre dessin, puisque vous n'êtes pas tenu de nous l'expliquer. Eh bien, il ne marche pas tellement bien. On va prendre celui-ci. Si. C'est trop clair. On a l'impression que ça marche pas, noir. Mais parce que ça sera sous lumière noire. Donnez-moi du noir. Merci Edgar Morin. Merci beaucoup. Alors Edgar Morin, nous avons changé de décor. Le ciel étoilé a laissé sa place à la magnifique grotte de la cave, illuminé sous lumière noire, comme nous le sommes également. Qu'est-ce que représente pour vous le 7e art, Edgar Morin ? Bon, tout d'abord, comme art, c'est un art extraordinairement complet, parce que en lui, il n'y a pas seulement des images, des actions, il y a de la musique, il y a des paysages, il y a des chants, il y a tout, on peut mettre de la philosophie, on peut mettre de tout. Disons, c'est toutes les vertus de l'opéra avec en plus une dimension, puissance de fascination qu'aucun art n'a, aussi bien par le gros plan du visage que par les mouvements de caméra qui font varier le décor, que par la beauté des choses. Donc, pour moi,
c'est pas seulement que, gamin, j'ai été influencé par le... J'ai vécu même, le cinéma a été, avec la littérature, un de mes deux éducateurs qui m'a enseigné. C'est très curieux parce qu'on pense que les gens vont s'aliéner dans l'imaginaire. Et c'est vrai aussi, mais en même temps, on découvre la vie. Moi, c'est des films qui m'ont fait découvrir la guerre, comme des films que j'ai vus dans les années 30, montrant les horreurs de la guerre 14-18, qui m'ont fait découvrir la fraternité, comme la tragédie de la mine, qui m'ont fait découvrir la misère humaine. Donc, découvert des tas de choses. Et pour moi, progressivement, je me suis auto-éduqué. Et le cinéma est une aventure bouleversante, parce que, après différentes époques, aujourd'hui, on est dans une époque où pratiquement dans tous les continents surgissent des films qui nous... non seulement qui sont beaux, mais qui nous font plonger dans des civilisations, dans les mondes où on voit que les gens sont à la fois tout à fait différents de nous et tout à fait semblables à nous. Bref, avec la musique, avec le roman, avec le cinéma, m'a produit les plus grandes, les plus belles émotions de ma vie. Et vous êtes un fan également du cinéma d'anticipation, de science-fiction ? Oui. Vous êtes également un fan ? C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où j'ai beaucoup lu des romans de science-fiction et certains films comme Planète interdite, comme Dune, etc. m'ont plu. Mais la science-fiction, enfin, il y a évidemment La guerre des étoiles, qui est une magnifique épopée, à la fois enfantine et adulte, ça c'est quelque chose, non ? Oui, mais disons qu'un des réalisateurs assez récents qui me touche, c'est Iñárritu, le Mexicain qui a fait ce film, 21 grammes, mm-hmm. Babel, formuleux. C'est Terrence Malick qui a fait ce film de guerre pacifique, La Ligne Rouge, enfin, pour moi c'est des... Et je regrette, parce qu'il y a encore récemment, j'allais voir 5 ou 6 fois par semaine des films, mais là maintenant, en ce moment, j'ai réduit, mais pour moi, c'est une nourriture merveilleuse. Merci. Alors, on va parler un petit peu de vos engagements actuels et de l'héritage que vous souhaitez transmettre. Pour éradiquer les multiples visages de la barbarie, les fanatismes, le capitalisme, avide de profit, vous placez votre espoir dans l'éveil de nouvelles facultés créatrices capables de régénérer la politique, la société et la culture. Est-ce à dire que vous pensez, à l'instar des cellules souches dont on a parlé tout à l'heure et qui sont présentes dans nos corps, que des groupes souches ou des individus souches ou des communautés souches seraient présents au sein des collectivités humaines qu'il s'agirait de réveiller, de sortir de leur dormance ? Je pense qu'il y a toujours eu des individus souches dans toutes les sociétés humaines, et que ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, d'un seul individu, à travers des événements incroyables, soit issu une gigantesque religion ou croyance. Regardez Bouddha, un prince qui s'est mis à méditer sur la vie et la mort, et une religion devenue gigantesque. Jésus, le prophète Mohammed, tout ça qui était des solitaires au départ. Donc, et puis c'est vrai pour Karl Marx, c'est vrai pour... Donc si vous voulez, sans arrêt, il y a des sources de créativité dans toute l'histoire humaine. La question, et c'est terrible, c'est que ces pensées créatrices, disons, apparaissent toujours au début comme déviantes. Elles sont, ou bien elles font peur, ou bien elles sont ridiculisées. Et combien de germes sont massacrés avant de pouvoir se développer ? Combien de printemps précoces dans l'histoire sont écrasés par la réaction qui suscite, commencé par le printemps arabe,
Donc, si vous voulez, et moi je crois qu'aujourd'hui, on est capable de formuler une nouvelle voie, pas seulement pour la nation dans laquelle on se trouve et on fait partie, la France, pas seulement pour l'Europe, mais je pense pour l'humanité, qui a un changement de voie indispensable, me semble évident. C'est ce que j'ai essayé de formuler dans différents livres, notamment celui qui s'appelle « La voie », celui qui s'appelle « Politique de civilisation » et avant même « Introduction à une politique de l'homme ». C'est une préoccupation tout à fait constante. Et je vois qu'aujourd'hui, ces idées progressent peut-être de façon embryonnaire dans d'innombrables associations ou expériences de vie qui se font dans le monde entier, mais ce sont encore des choses très dispersées et les forces qui dominent sont des forces, à mon avis, aveugles, bien qu'elles se croient hyper lucides par le calcul économique, et ce sont des forces qui peut-être empêcheront un printemps de naître. Moi, j'ai une expérience, vous savez, puisque mon adolescence s'est passée entre 1930 et 1940, d'ailleurs, les 10 années d'avant-guerre, où à partir d'une situation qui semblait hyper paisible, est arrivée une crise énorme, la crise de 1929, laquelle a provoqué à travers différents avatars la crise de la démocratie un peu partout, l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, la guerre d'Espagne, et toute une série d'événements qui allaient conduire à cette guerre mondiale, à la deuxième guerre mondiale. Et alors, au cours de cette période, il y avait quelques éléments minoritaires qui cherchaient la troisième voie. C'est-à-dire, ils savaient bien qu'il y avait une crise de la démocratie, qu'il fallait la régénérer, qu'il y avait une crise économique, donc il fallait sortir de ce capitalisme livré à ses seules forces du profit. Il fallait surtout, il y avait deux monstres, le monstre stalinien et le monstre nazi, et qu'il fallait échapper à ça, et on appelait ça la troisième voie. On cherchait quelque chose d'humain, la troisième voie. Et il y avait Simone Veil, il y avait Mounier, enfin, on était très... Moi, adolescent, j'étais là-dedans, mais cette troisième voie qui essayait de se dessiner, elle a été écrasée dans l'œuf dès que la guerre a été déclenchée, et des gens comme moi, au bout d'un certain temps, disent, il n'y a pas de troisième voie, on va en choisir une, on a cru que... On s'est converti au communisme alors qu'on était tout à fait contre. Donc, si vous voulez, je me rends compte qu'il y a des forces de régénération formidables, multiples, et qu'en même temps, il y a des forces de régression de plus en plus puissantes, et qui ne sont pas seulement le retour à ce qu'on appelle les refermetures identitaires que la crise multiple suscite, parce que les angoisses n'ont jamais eu autant d'éléments. C'est-à-dire, il y a l'angoisse que créent les différents fanatismes, notamment le djihadisme, il y a l'angoisse que crée le désastre écologique, la dégradation écologique, l'angoisse que crée l'existence de guerres ici et là, la multiplication d'arbres nucléaires, l'angoisse que crée la précarité de plus en plus grande économique, l'angoisse et la progression de l'inégalité, l'angoisse que crée un futur de plus en plus incertain, déchiffrable, et dans ces angoisses, au lieu de prendre conscience de la communauté de destin humaine, au lieu de faire prendre conscience de la mondialité du problème, ça crée au contraire la refermeture sur l'identité particulière, ethnique, religieuse, nationale, tout ça. Voilà la situation tragique que nous vivons. Tout espoir n'est pas perdu, le pire n'est pas sûr, mais c'est ça qui se fait. Donc, moi, je ne sais pas, j'essaye de faire ces messages, j'essaye d'indiquer les multiples réformes qui peuvent conduire à une nouvelle voie.
je ne suis pas du tout certain que ça va aboutir. Je pense même que ça peut être écrasé. Mais je pense qu'il faut le faire, que c'est le dernier des devoirs qui reste dans cette époque, et que si on ne peut pas le faire, qu'au moins qu'on puisse créer des oasis de fraternité, des oasis où l'on peut vivre autrement, d'une façon meilleure, alors que tout reflue, que tout recule, et qu'à ce moment-là, ces oasis, on est l'arrière-garde de l'humanisme, qui pourra peut-être un jour redevenir une avant-garde pour une humanité meilleure. Voilà tout ce que je peux dire. Alors, vous avez emprunté à Martin Heidegger la notion d'ère planétaire. On entend dans vos mots parfois les termes d'évangile de la perdition. Oui. D'où vous vient cette conscience écologique, voire ce messianisme laïque ? Bien, vous savez, je crois que tout d'abord, mon idée vient du fait que nous ne savons pas pourquoi nous sommes nés. Nous ne savons pas pourquoi l'aventure humaine continue, ni comment elle se fera. Nous savons que nous sommes tous mortels. Et alors, à ce moment-là, je renverse la position de l'Évangile qui dit « soyons frères pour que nous soyons tous sauvés ». Je dis au contraire, soyons frères parce que nous sommes tous perdus. C'est une phrase d'Albert Cohen qui dit « je ne comprends pas pourquoi alors qu'on est tous promus, on n'est tous pas promus, on est tous voués au malheur et à la mort, pourquoi qu'il n'y a pas plus de solidarité, de fraternité entre nos autres humains ?» Et donc, j'ai appelé l'Évangile de la perdition « Soyons frères parce que nous soyons perdus ». Et dans le fond, cette idée n'a pas plu. Elle n'a pas plu, j'aurais pu m'en dispenser, mais je ne m'en suis pas dispensé parce que j'y crois. Voilà. Très bien. Alors, avec la disparition du mythe du progrès, comment voyez-vous l'humanogénèse ? Faut-il que nous nous dirigions vers le surhomme nietzschéen, le théâtre des 13 vents dans lequel nous nous trouvons, à porter le nom d'humain trop humain ? Donc faut-il se diriger vers le surhomme nietzschéen, vers le transhumain, le post-humain, le métanthrope, le cosmopithèque, ou vers une meilleure utilisation des ressources proprement humaines ? Mais c'est ce dernier point de vue qui, à mon avis, doit prévaloir, parce que, je crois vous l'avoir déjà dit, l'augmenter doit être totalement subordonné à l'amélioration des relations humaines qui font partie de nos potentialités spirituelles, cérébrales, de notre nature. Mais dans notre nature, il y a aussi l'ambivalence totale. Il y a Homo sapiens qui est raisonnable et l'Homo demens qui est délirant. Il y a Homo faber qui fait des outils et l'homme mythologique qui a des croyances surnaturelles. L'humanité est capable de tout, mais je crois que puisqu'elle est capable de tout, essayons d'en cultiver le meilleur. Nous savons que certaines civilisations étaient capables de réprimer le pire de ce qui est des potentialités humaines, mais que certaines conditions permettent au pire justement de s'affirmer, comme le nazisme ou le stalinisme, et puis d'autres qui viendront encore. Et justement, donc, si vous voulez, justement pour vous, je me permets de vous couper, quel est selon vous l'acte le plus éblouissant dans l'histoire de l'espèce humaine ? Le plus éblouissant ? Le plus prodigieux ? Le plus prodigieux dans l'histoire de l'humanité. De l'humanité, c'est évidemment le langage à double articulation. C'est un langage humain qui permet de s'exprimer à travers une infinité de mots et de phrases à partir de syllabes qui n'ont pas de sens pour constituer des choses. Dans le fond, c'est la,
l'apparition dans toutes les sociétés humaines de ce langage qui permet pas seulement la communication dans la chasse, dans le travail, mais dans les sentiments, dans l'amitié, dans l'amour. Pour moi, c'est le langage qui est là. Qui est une forme de double, encore une fois. Le langage, c'est une manière de doubler la réalité. Voilà, c'est ça qui permet de la transfigurer et de la figurer en même temps. Que parlerai-je de ma amie ? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes là-bas. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Et alors, pour finir, une question d'enfant, Ilham qui vous demande... Quelle est la meilleure chose de votre vie ? Pour la mettre en parallèle avec justement ces prodiges de l'humanité que vous venez de nous décrire. C'est l'amour et la fraternité. La raison m'est née. Le monde est bon. Je bénirai la vie. J'aimerai mes frères. Ce ne sont plus des promesses d'enfance, ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force et je loue Dieu. Accepteriez-vous de vous prêter au jeu d'inscrire une épitaphe sur le coffret de la méthode ? Une épitaphe ? Une phrase de votre choix. Oui. Mais je tenais, pour terminer cette émission, cet épisode, Edgar Morin, à vous dire que vous nous aviez cultivés, vous nous aviez surpris d'avoir accepté le concept de l'émission, que vous nous aviez émus aussi. Et plus que des merci, on aimerait vous souhaiter une longue vie, une encore plus longue vie. On aimerait également, sans doute, et c'est un peu compliqué, vous voir écrire un dernier tome de la méthode qui s'intitulerait « La mort de la mort ». Mais j'y crois pas, la mort de la mort. Nous non plus. Donc un grand merci Edgar Morin pour avoir participé au premier épisode de la série Face Cachée. On aimerait, pour le deuxième épisode, inviter un poète chilien, un artiste, un cartomancien, qui a été le premier disciple du mime Marceau, Alexandro Jodorowsky. Edgar Morin a eu en main un exemplaire du tarot de Marseille recolorisé par Alexandro Jodorowsky et Philippe Camoin. Et la carte qu'Edgar Morin a tirée au hasard dans le tas est la tempérance. Et nous en avons fait l'analyse ensemble. Il s'agit de combiner son côté mystique et son côté rationnel à la manière dont cette femme mélange ses cruches d'eau dans un perpétuel mouvement. Est-ce que vous êtes d'accord, Edgar ? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, c'est toujours la combinaison des antagonistes qui est féconde. Nous terminerons là-dessus. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous, surtout. On y va ? C'est bon, on peut y aller. Avanti. Avanti, on va comme ça. Ok. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Bon. Là, les portes vont s'ouvrir toutes seules, comme par magie. Ah bon ? Si la magie fonctionne. Le taxi est arrivé, nous l'avons vérifié. Puertas! Bravo! Ah oui. Elle s'ouvre au soleil.